selon Pierre. Le monde selon Pierre. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Ok. Le monde selon. Le monde selon. Le monde selon Kev, le monde selon moi. Le monde selon Kev. Libéré, délivré. Asphalte adoré, tu m'avais manqué. J'ai bien cru que la leçon de science n'en finirait jamais. La palourde, ou Veneropis depussata, est un mollusque bivalve marin dont le système circulatoire est de type semi-ouvert. Moi j'ai trouvé ça génial! Tu crois que ça s'adopte une palourde? Parfois je me demande si Léo n'a pas le cerveau d'un mollusque lui aussi. Oh là là, j'ai trop hâte! Hein? Oh mais c'est carrément génial! Vous les attendiez tous! Qu'est-ce que vous regardez? Chut! Tu vas nous faire rater les résultats! Et fier de vous présenter les deux finalistes du concours Impose ton style! Damon et Camille! J'y crois pas! Je suis finaliste! Prochaine étape, envoyez une photo 100% original rock. Soyez créatifs et finissez en couve du prochain numéro. Alors, qui sera notre grand gagnant cette année? Ce sera toi, Camille. Tu crois? Forcément, c'est moi qui te conseille. Moi, je trouve que t'as 10 fois plus de classe que Damon. De toute façon, il sait même pas s'habiller. Qu'est-ce que tu connais à la mode, mouton? Damon est la référence en matière de look. Bien joué, Camille. J'aime avoir des adversaires à ma taille. Que le meilleur gagne. La concurrence va être rude. Quelle classe, ce Damon, quand même. Il est temps de libérer le Damon qui sommeille en moi. Salut Camille. Ça te dit d'aller se boire un petit jus de papaye? Rien que tous les deux? Moi c'est Léo. Mais on fait comme si t'étais elle. Bon, alors tu m'as trouvé comment? Superbe. Et toi, tu me trouves comment, Camille? Je préfère l'original. Laisse tomber. Je crois qu'il faut mieux que je la séduise avec mon charme naturel. Oh. Ah! Quelle horreur! Ah non, trop dégueu! Bon, ça pourrait être pire. Camille pourrait me voir comme ça. Oh bah justement, la voilà! Camille! Wouhou! Hein? Salut! Mais t'es dingue! Je suis grillée maintenant! Oh, oh ouais, tes cheveux! Attends, j'ai peut-être une solution pour cacher ça. Normalement, je m'en sers pour m'isoler le crâne en cas d'invasion extraterrestre télépathe, mais ça devrait le faire. Ah! Une cagoule? Non mais tu veux m'achever ou quoi? C'est encore plus de la honte. Ok, je suis mort. Salut Léo, tu discutes avec qui? Un nouveau? Ah, salut Camille, ça va? Kev? Je t'avais pas reconnu avec ta cagoule. C'est quoi ce look tout pourri? C'est le look ringardius débilus. C'est vous êtes ringard. La cagoule, ça revient en force. C'est même le dernier truc à la mode en ce moment au States. La cagoule, c'est cool. Je savais pas qu'en fait, tu t'y connaissais en mode, Kev. Kev ne connaît rien à rien. Alors la mode, je vous en parle pas. On a qu'à demander à un spécialiste. Hé, Damon! Oh! Arrête! Ok, je suis remords. Salut les gars! Salut Camille! Et Kev, c'est quoi ce look? Je trouve ça. Trop cool! Oh. T'es hyper fashion, mec! Sérieux? Je veux dire, ouais, bah ouais, je sais! Heureusement que tu t'es pas présenté au concours, on aurait eu un sacré concurrent. Pas vrai, Camille? Alors, c'est qui les ringards maintenant? Tiens, je te rends ta cagoule.
Ça gratte, ça tient chaud, et surtout c'est hyper ringard. Ah bon? Bah je croyais que c'était super fashion. Bah t'as qu'à la mettre si ça te fait plaisir. Mais tu seras bien le seul. Hein? Camille? Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour la photo du concours? C'est super rock? C'est super glauque, oui. En tant que manager de ta future carrière de mannequin, je me dois de te dire que tu te fourvoies, Camille. Vous avez entendu ce qu'a dit Damon hier. Kev est trop à la mode. S'il porte une cagoule, c'est que c'est forcément cool. Ah oui? Alors pourquoi il n'en porte plus aujourd'hui, ton chouchou? Bah, qu'est-ce que t'as fait de la tienne? Il a changé d'avis. Maintenant, il dit que c'est... Il dit que la mode est déjà passée. Bah ouais, tu sais, ça va vite, hein. Piou. Ah, et c'est quoi la nouvelle mode? C'est de remonter la manche droite de sa veste, comme ça. Trop stylé! Kev, ça te dirait de m'aider à trouver un look rock pour le concours? Moi? Bah non, Léo! Waouh! Mais oui, toi, gros bêta! Avec tes super conseils, on a une chance de battre Damon. Sauf que c'est moi ton coach. D'ailleurs, je t'ai déjà prévu une super tenue. Tu vas halluciner. Stan, t'es un super manager. Mais Kev est le styliste avant-gardiste qu'il me faut pour gagner le concours. Hein? Tu comprends? Laisse tomber, mec! T'es pas assez avant-artiste. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Non, mais ça a l'air vachement cool. Ok, j'accepte de te servir de coach. Mais à une condition. Je dois passer la journée avec toi et uniquement avec toi. J'ai besoin de ça pour mieux te connaître et pouvoir te créer la tenue idéale. Ben voyons. Tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras, c'est dans le top 3 de mes phrases que je préfère avec on mange. Bon, on se la trouve cette tenue? Simplement. Démon! C'est toi qui lui as trouvé ce look, Kev! T'es vraiment le génie du style! Va falloir que je me surpasse si je veux battre Camille! Ouais, bah accroche-toi parce que la barre est haute, hein! Genre, là, tu vois? Quel kiff! C'est ça, Frim! La vengeance est un plat qui se mange chaud bouillant! Léo? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? T'aimes bien? Moi aussi j'ai décidé de me lancer dans la mode. Ça te déchire, pas vrai? Ça te déchire les yeux, oui? Arrête tout de suite avant que je sème des orbites. Je suis trop avant-artiste, c'est pour ça. Oh, la séance photo pour le concours est dans une heure. Il faut que je filme préparer. Souhaite-moi bonne chance. Kev, il faut que je te parle. Écoute-moi bien, si c'est pour essayer de reprendre ta place, laisse tomber. Camille est dingue de moi. Relax, je veux juste te mettre en garde contre Damon. Il te mène en bateau. De quoi tu parles? Réfléchis, il est finaliste lui aussi. Il a tout intérêt à faire perdre Camille en la faisant s'habiller n'importe comment. Tu veux dire qu'il ment en disant qu'il kiffe mon style? Non mais tu crois quand même pas que t'as du génie? Ouvre les yeux, il te manipule depuis le début. Je te crois pas, t'es juste jaloux, c'est tout. Ok, alors demande-lui ce qu'il pense de la tenue de Léo. Je te parie qu'il dira qu'elle est cool. Non. Je trouve ça... Hé, hey, Damon! Qu'est-ce que tu penses de Léo? Je l'ai relooké un peu, mais j'ai un doute. Bah, c'est vrai que c'est pas top. C'est hyper top! Oh, cool! Damon! C'est hyper top! Comment j'ai pu être aussi naïf? Allons, allons. Mais si Camille perd le concours, elle va me massacrer! Mais non, ça n'arrivera pas. Parce que je vais t'aider. Tu ferais ça pour moi? Et puis quoi encore? Je le fais pour Camille. Moi aussi, je veux qu'elle gagne. Tiens, c'est la robe de créateur que je comptais lui faire porter avant que tu n'interviennes. Va lui donner avant qu'il ne soit trop tard. Au fond, t'es un chic type, hein, Stan? Enfin, bien, bien au fond, quoi. Merci. C'est ça.
Un chic type. Camille, attends! Kev, t'es venu m'accompagner? Oh, t'es trop chou! Ouais, enfin non. Je suis venu pour te dire de changer de tenue. Comment ça? Je croyais qu'elle allait tout déchirer. Il y a un quart d'heure, ouais, mais là c'est déjà has-been. Tu te souviens, la mode qui file tout ça, pfiou, ça va vite. Tiens, enfile ça. Ah, c'est quoi ça? C'est la tenue qu'il faut absolument mettre si tu veux gagner. Ok, je te fais confiance. C'est toi le génie. J'espère que Stan sait ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau look? Bah, c'est le même que d'habitude. Eh ouais! J'ai inventé la mode qui se démode pas. Alors, génie ou pas génie? Kev, ça y est, j'ai les résultats du concours. Alors? Alors? T'as gagné? Regarde! Hein? Mais Camille, je comprends pas, je te jure. T'as pas du tout perdu, Camille. Regarde, t'es première au top flop du mois. Merci Kev, cette victoire je te la dois un peu, tu m'as beaucoup inspiré. Être rock, c'est porter ce qu'on veut comme on veut. Ah, j'en étais sûre, tu m'as mené en bateau pour favoriser tes modes. Hein? Mais pas du tout, c'est Stan qui m'a passé ton costume pour la photo. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et en plus tu accuses des innocents, tu sais quoi, tu es numéro 1 dans mon top pyramide du monde. Camille, attends. Non! Ah, c'est dommage, j'ai plus de cagoule. Mais par contre, j'ai ça. Souris, tu vas être top fashion. Mmh.